Pour les brochettes de poulet, commencez par aplatir délicatement les escalopes de poulet, puis coupez l'ananas et formez alors des billes à l'aide d'une cuillère à pommes parisienne. Coupez ensuite la carotte en lamelles dans le sens de la longueur, idéalement avec une mandoline. Ensuite, détaillez les escalopes en lanières. Juxtaposez alors une lanière de poulet avec une lanière de carotte. Et piquez-les en vague sur la brochette, puis piquez une boule d'ananas et répétez l'opération 3 fois. Enfin, dans une poêle huilée, faites dorer vos brochettes de poulet. Pour la sauce saté, vous allez commencer par mixer les cacahuètes, la sauce soja, l'huile de sésame, le sucre, la sauce New Yorkman, la pâte de tamarin, le lait de coco, l'ail, le piment épépiné, jusqu'à obtenir une pâte lisse. Rajoutez un peu d'eau, si nécessaire, pour rectifier la consistance. Pour le dressage, décorez avec un petit trait de piment d'Espelette. Pour finir, déposez joliment les brochettes de poulet dans l'assiette et la sauce saté dans un ramequin juste à côté. Voici comment réaliser en 15 minutes seulement des brochettes de poulet sauce saté pour épater vos amis.